when you take your Bible, ouvrons d'abord dans Psaume 105. Psaume 105. 105. Verset 12, verset 112, Psaume 105, verset 12 à 16. Psaume 105, verset 12 à 16. Psaume 105, 12 à 16. 105, verse 12 to 16. Le thème de mon message, the theme of my message, c'est les années d'errance. The years of errance. Les années d'errance. Tiens ton voisin, les années d'errance. Les années d'errance. Quelqu'un va lire rapidement Psaume 105, verset 12 à 15. Psaume chapitre 105, verset 12 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus. Verset 12 à 15. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je n'ai pas en train de célébrer. À ta place, je serai en train de célébrer. À ta place, je célébrerai plus que ça. On your place, I'll be celebrating more than this. Biyautam mete mishpar ki at we garim ba. Ils étaient peu en nombre. En hébreu, on dit biyautam. Biyautam veut dire lorsqu'ils étaient. Mete mishpar, peu en nombre. Little in number. Qui at? En réalité, très peu en nombre. In truth, very little in number. We garim ba et étrangers. And strangers. La Bible dit au verset 13. The Bible says in verse 13. Wa yit haluku nigau. Et pendant qu'ils allaient d'une nation El Gao à une autre. Why they were going from a nation to the other? Ni Malaka. Des royaumes. El Am. Aher. À un autre from royaume. From one kingdom to another kingdom. La Bible dit ceci. The Bible says this. Lo, il n'y a Adam, mais Ashokam. Il ne permet point au fils d'Adam. He did not permit the sons of Lo, il n'y a Adam, mais Ashokam. Il ne permit point à la semence d'Adam. Ça veut dire quoi? À la descendance d'Adam. C'est-à-dire en hébreu, à l'homme. À ce qu'on appelle homme et tout ce qui provient d'un homme. L'homme, il y a Adam, le Ashokam. Il ne permit point que tout ce qui représente l'homme ne les oppresse point. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire que tout ce qu'on appelle homme, ça veut dire que si ton ennemi, celui qui a dit que tu ne seras rien, que ta vie ne sera rien, la Bible dit dans ce passage, le Ashokam, le Ilya Adam, ça veut dire que si celui qui te menace est un homme, Dieu ne permettra point que ses imprécations te fassent du mal. Amen. Oh, les gens sont en train de vouloir me balancer. Il dit, il y a Adam, le Ashokam. Il ne permet point à tout ce qui est semence d'homme, tout ce qui porte la semence d'homme, tout ce qui est homme, n'avait point de pouvoir ni de puissance sur eux. Ça veut dire que celui qui te menace, celui qui lutte pour ta destruction, ceux qui sont assis, levez-vous, pardon, c'est obligé maintenant. Amen. Comment on est en train de lire la Bible, vous êtes assis. Vous voyez que Dieu nous aide vraiment à comprendre les atmosphères prophétiques. Amen. C'est dommage. It's sorrowful. Il dit, si celui qui m'a maudit, if that one who comes, sauf s'il n'est pas un homme, only if he's not a man, s'il n'est pas homme, if he's not man, ça arrivera. Then it will come to pass. Mais si c'est un homme, if he's a man, qui est assis sur ta vie, is seated on your life, cette nuit tu seras assis sur sa vie. Amen. Le Hilia,
Adam le Ashukam. Wa Yauka Alehem le Lakim. Et à cause de, il jugea les rois. À cause de, il contredit les sentences des rois. Oh mon Dieu! À cause d'un peuple peu nombreux. À cause d'un peuple qui était en réalité très peu nombreux. À cause d'un peuple sans pouvoir. À cause d'un peuple sans puissance. Dieu est entré en guerre contre des rois. L'Éternel entre en guerre contre des puissants. De toi. L'Éternel entre en guerre contre des rois. À cause de toi. Parce que son nom est invoqué sur toi. Aucun mal ne t'arrivera. Les décrets de nos ennemis retournent sur eux. Dans le nom souverain de Jésus. Je dis dans le nom souverain de Jésus. La Bible dit ceci. Altigeu. Ne touchez point à ceux sur qui mon huile a été versée. Altigeu, Bimchiaï. Il y a une huile qui consulte ta vie ce soir. Je dis, il y a une huile. Si tu as des yeux spirituels, l'huile de la consécration de Dieu, l'huile de la sainteté, l'huile de l'appartenance à l'Éternel, l'huile de Naziréa descend sur toi. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois l'huile de consécration. Altiqué ou Bimchiaï. Ne touchez pas à mes Bimchiaï. Ne touchez pas à ceux que j'ai oint pour qu'ils m'appartiennent. Those are anointed for them to belong to me. Oh. Mon Dieu, ce qui fait la différence, what makes the difference? C'est ça, Bimchiaï. C'est l'huile de Dieu sur toi qui combattra tes adversaires à partir de toi. Il dit, Welin Bimchiaï. Tereu, altereu. Et mes prophètes ne leur font aucun mal. And do my prophets no harm. En hébreu, quand on dit altéreu, en hébreu, ça veut dire ne méditez pas le mal. Don't ça veut pas dire ne faites pas de mal seulement. It does not just mean. Mais ça veut dire ne pensez même pas, n'ayez même pas l'intention de leur faire du mal. Of hurting them. Parce que si vous avez l'intention, if you have avant j'exécutais l'intention, j'aurais usé de représailles contre vous. Oh, les gens, c'est... Oh. Amen. Assois-toi dans sa présence. Amen. La parole ici this word vient à point nommé comes on time pour la restauration de quelqu'un. For someone's restoration. Nous allons étudier Psaume 105, versets 12 à 15. Et nous allons aussi parler parallèlement de l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, 38, 39, 40. On va voir l'histoire de Joseph qui va en étroite collaboration avec Psaume 105. Il dit ne touchez pas à Tigé ou Bimchiaï. Ne touchez pas à mes Bimchiaï. Ici, Bimchiaï, c'est une personne qui porte l'alliance de Dieu dans sa vie. That carries the covenant of God in his life. Je vois que je vous perds le temps. On peut mettre la parole de côté. On continue avec la prière. Ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu, c'est l'huile que tu portes sur ta tête. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Est-ce que l'huile de la consécration, de l'appartenance à Dieu a été versée sur ta vie? Si tu n'as pas encore reçu cette huile, je t'annonce une bonne nouvelle. Ce soir, l'Éternel verse l'huile de la consécration sur toi. Écoutez, une personne consacrée à Dieu, ce verset biblique est écrit sur son front. Partout où il va, il est écrit ici, « Attiquez ou Bimchiaï, ne touchez pas, ça, c'est mon Bimchiaï, celui-ci m'appartient, la malédiction ne fonctionne pas sur lui. »
La destruction ne fonctionne pas sur lui. Destruction does not function on him. Les flèches de l'ennemi ne fonctionnent pas sur lui. Nous prions pour une église forte au Cameroun. Pray for a strong church. Je prie pour une église consacrée. Amen. Je prie pour une église protégée par son Dieu. Amen. Je prie, je prie pour une église que Dieu défendra au Cameroun. Amen. Il y a des personnes que lorsque vous cherchez leur mal, lorsque vous cherchez leur malheur, c'est votre arrêt de mort que vous avez sur eux. Amen. Si tu n'appartenais pas à cette catégorie aujourd'hui, la grâce de mon Jésus t'introduira dans cette catégorie. Amen. Le Amen. Si me dit que le prophète ferme ta bouche, on ne veut pas que tu te... La parole que nous prêchons, si elle est forte, frère. Quand Dieu fait de toi un bimchiaï, que l'Éternel fasse que tes ennemis ton marche-pied. Amen. Sur la vie, la terre sur laquelle nous marchons, nous avons un seul problème. Ce problème s'appelle ennemi. C'est-à-dire que si on enlève les ennemis, tu n'auras plus jamais de problème. Les problèmes que nous avons, ce qui fait qu'on a les problèmes, c'est l'inimitié ou l'ennemi. La maladie qui ne veut pas que tu sois en santé là. Aujourd'hui, je dis à cette maladie, altiqué ou bimché aïe, ne touchez point à mes joies. La pauvreté peut devenir un ennemi pour ton progrès. Le célibat peut devenir un ennemi pour ton mariage. Une situation peut être ton ennemi. Une personne peut être ton ennemi. Quelle que soit la nature de ton ennemi, la Bible dit ne touchez point à ceux sur qui mon nom coule. Que Dieu mette son huile sur ta vie. Amen. C'est cette huile qui fait la différence. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, when you read Joseph's la Bible dit que Joseph a eu une vision. Joseph had a vision. Et il a vu des gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe qui était debout. Down in front of his... Et il a vu celle de son père et de sa mère. And he saw that of il a vu les gerbes de ses frères. He saw that of his brother. Dieu lui avait donné une vision. God gave him a vision. Ce rêve signifiait que Dieu meant that God consacrait Joseph à lui Joseph parmi tous les enfants de son père. All the children, lui, il était mis à part. He was set apart. Il appartenait à Dieu. Lui, que Dieu était sur lui, Isle of God, il était devenu un bimchiaï, un moine de l'Éternel. Anointed of the Lord. Amen. À partir d'aujourd'hui, as from tu ne dois plus accepter qu'on te dise n'importe quoi. Amen. Ah, merci, ne me plaît pas, je vous dis la vérité. Amen! À partir d'aujourd'hui, as from today, il dit ne touchez pas à mes soins. He says, touch not my anointed. Joseph est devenu loin de l'Éternel. Joseph become the anointed of the Lord. Les premiers ennemis de sa vie ne venaient pas de loin. C'est ceux à qui il a partagé sa vision. Le plus souvent, lorsque Dieu veut te faire du bien, lorsque Dieu te partage son intention de te faire du bien, et que dans ta joie, tu peux te confier à tes frères. Ce bien que Dieu veut te faire, cette bonne nouvelle, cette bonne chose qui va t'arriver, tes propres frères peuvent te prendre en jalousie. Les ennemis les plus dangereux ne sont pas ceux de dehors. Les ennemis les plus dangereux, c'est ceux de ta maison. Les ennemis de l'intérieur sont plus dangereux que les ennemis de l'extérieur. Il allait partager. He went to share. Il y a une de nos filles qui m'a écrit. That wrote to me. Elle m'a dit, papa, she told me that j'ai eu mon blanc. I have my white man. Il est venu, j'ai parlé de lui à ma soeur. I spoke to him, to my sister. Alors je vous parle, il a crié avec ma soeur. Speaking to his creepy with my sister. Si elle n'avait pas parlé de son blanc à sa soeur, ça ne serait pas arrivé. It wouldn't have happened. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas partager tes bonnes nouvelles. You should not share your good news. Oh. Je dis, il y a des gens avec qui
I said there was tu ne dois pas partager certaines nouvelles. You should not share certain. Il y a des gens que s'ils sont au courant, people, if they are aware, qu'il y a quelque chose de grave, that there is something de glorieux, of glorious, de mirifique, of what, de mirobolant, qui va t'arriver. Ils feront tout pour que ces choses-là n'arrivent pas. Nothing not to come to pass. Ils feront tout pour que tu ne sois pas là. Lorsque la chose arrivera, the thing will come. Mais gloire soit rendue à celui qui fait la promesse. Et qui aussi capable d'accomplir la promesse. Qui peut te protéger. Te protéger jusqu'au jour où la promesse vient à s'accomplir. Les problèmes de Joseph ont commencé parce que Dieu a mis son huile dans sa vie. His oil in his life. Mais lorsque vous avez l'huile de la consécration dans votre vie, in your life, restez tranquille. Ça n'annule pas la souffrance. It does not cancel suffering. Parfois, la prophétie de vos ennemis peut sembler s'accomplir. Seem to accomplish. Ses frères l'ont jeté dans une fosse. Threw him in a pit. Dieu les a laissés faire. Let them do it. La prophétie s'est accomplie sur Joseph. Was accomplished. Leur volonté a été accomplie. Will was accomplished. Mais même dans cette situation, but even in that situation, Joseph n'était pas seul. Joseph was l'huile de Dieu était avec lui. Dieu ira avec toi. God will go dans la saison d'errance, l'Éternel te gardera. Il sera avec toi. Joseph n'était pas seul. Il n'était pas seul dans ce puits. Le Dieu de sa bénédiction était dans le même puits que Joseph. Le Dieu qui avait fait la promesse était aussi prisonnier avec Joseph. On peut tuer quelqu'un. On ne peut pas tuer celui qui porte une vision. On peut tuer quelqu'un. On ne peut pas tuer quelqu'un sur qui Dieu a parlé. On peut tuer n'importe qui. Mais celui qui appartient à l'Éternel, aucun homme n'a de pouvoir sur sa vie. Joseph s'est retrouvé dans un puits. Joseph found himself in a puits. Mais il n'était pas seul. And he was not alone. Mais Dieu qui lui a fait la promesse était avec lui. Made the promise was on l'a sorti du puits. He was brought out of the puits. Joseph avait la promesse. Joseph had the promise. Le puits n'a pas ôté la promesse. Did not remove the promise. On peut te priver de la nourriture. And deprive you from mais la faim n'effacera pas ce que Dieu a dit sur toi. Le célibat n'effacera pas ce que Dieu a dit sur toi. La pauvreté n'effacera pas ce que tu as dit sur toi. Le retard de la vie n'effacera pas. La maladie n'effacera pas. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Pourquoi Joseph a été jeté dans un puits? Why was Joseph thrown in a pit? Parce qu'il ne voulait pas because he que la saison prophétique que Dieu lui avait révélée soit accomplie. Il ne voulait pas qu'un jour that la gerbe de Joseph soit debout Joseph has et qu'un se postèle devant lui. C'est ça qu'il voulait arriver. That is what they c'est ça qu'il voulait détruire. That is what they mais leurs efforts ont été vains. Parce que le Dieu qui t'a fait la promesse God has made est fidèle. Et il a assez de force pour se protéger à gauche, à droite, devant, derrière. Zomaro Bino de Kofini. Ils l'ont jeté dans le puits. They threw him in the pit. Joseph est devenu un errant. Errant pourquoi? Why was he wandering? Parce qu'il portait sur lui because he was la promesse de son Dieu. Promise of his God. S'il n'avait pas eu cette vision, if he did not have that vision, il serait chez son père. He would have been with il serait aimé de ses frères. He would have been loved with his parce father. Que ses frères aimaient la condition de Joseph. Joseph's condition. Il était comme leur boy. They were like, c'était leur garçon de course. Et ils voulaient que Joseph demeure leur garçon de course. Parce que Joseph leur a dit, Joseph m'a dit que je serai grand demain. Je serai plus grand que vous. Vous vous prosternerez devant moi. Ils ont dit ça n'arrivera pas. Et dans son sens, la Bible dit qu'ils étaient peu nombreux. They were very few. Très peu nombreux. Very few. Ils étaient faibles. They were ils étaient misérables. Ils étaient vulnérables. Mais Dieu, but God, invisible, invisible, était avec. Well, was with them. Comment peut-on combattre how can we fight un peuple dont le Dieu est invisible? That the God is invisible. Comment
Comment peut-on combattre un homme, une femme, dont le Dieu est invisible? Joseph était faible. Joseph was weak. Il était livré entre les mains de ses frères. He was in between the hands of his brother. Mais Dieu utilisait la haine de ses ennemis. But God used the hatred pour le rapprocher de l'accomplissement de sa prophétie. Closer to the accomplishment of his prophecy. En fait, in short, si les frères de Joseph savaient, if Joseph's brothers knew que le mal qu'il lui faisait, that the harm he was causing to him, ils étaient plutôt en train d'accomplir sa destinée et sa prophétie. His destiny and his prophecy. Il n'aurait rien fait de mal à Joseph. He would have done anything evil to Joseph. Les ennemis pensent te faire du mal. Laisse-moi te déclarer ce soir. Ils ne te font pas de mal. Ils te poussent vers le trône. To the throne. Your enemies think that en faisant la calomnie contre toi, when they are slandering you, no, Dieu te rend public. God makes you public. Dieu t'expose. God en utilisant tes ennemis. Using your enemies. Parce qu'il ne permet à personne. Because he permits no one. À personne. Nobody. Le Biliam, Adam, le Ashkam. Et il ne permet à personne qui est issu de l'homme d'Adam de le faire du mal. To hurt them. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that ça veut dire qu'un homme, that a man, sauf s'il n'est pas un homme, only if he's not a man, celui qui veut te détruire là, celui qui a mené ton nom chez le marabout, sauf s'il n'est pas un homme, only if he's not mais a si man, c'est un homme, and if he's a man, rien ne t'arrivera. Nothing will happen to you. Ils ont mené Joseph dans le puits. They brought Joseph to the c'est ça que j'appelle la saison. That is what I call a season d'errance. Of wonder. C'est une saison dans ta vie. It is a season où tu connais ce que Dieu t'a dit. Where you know what God told you. Tu sais que Dieu t'a promis. You know what God has promised. Mais ta vie est errante. But your life is. Tu es errant ici et là. Wandering here and la there. Maladie te balote à gauche. She sends you love. Le célibat ici. Celibacy here. Les échecs ici. Failure here. Tu essaies, ça ne réussit pas. Try, it does not et tu te demandes, mais est-ce que and ce n'est pas Dieu yourself qui m'a parlé? But is it not écoute, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. C'est le chemin qui mène vers la gloire. C'est le chemin de l'Égypte. C'est le chemin du trône qui se trouve dans l'Égypte. Oh, écoutez. Listen. Écoutez, vas-y, écoutez, vas-y. This is what Dieu m'a dit de vous dire. This is what God told me to say. Parfois Dieu sometimes God te donne une parole gives you a word. Et il te dit de regarder dans une direction. He asks you to look in a direction. Mais tu ne comprends pas. But you don't understand. À cause d'une raison ou d'une autre. Because of the reason or the other. Si on avait dit à Joseph, if they told Joseph, va en Égypte, go to Egypt, il n'aurait jamais accepté. He wouldn't have accepted. Si on avait dit à Joseph, if they told Joseph, quitte ton père, leave your il n'aurait jamais accepté. He wouldn't have accepted. Il avait la promesse. He had the promise. Dieu lui a fait la promesse. God made the promise. Mais Dieu ne savait pas comment faire. But God did not know what pour to prendre Joseph, to take Joseph de Canaan, from Canaan pour l'amener en Égypte, to bring him to Egypt. Il n'y avait pas de moyen. There was no le seul moyen. The only means. Dieu a créé un TGV. Dieu a créé un TGV. Dieu a créé un train à grande vitesse. God created a high-speed train. Et ce TGV, c'était ses frères. And it was his brothers. Dieu a suscité des ennemis à Joseph. God placed enemies to Joseph. Pour que la haine de ses ennemis. For the hatred of his enemies. Pousse Joseph jusqu'à Égypte. Pousse Joseph to Egypt. Il n'y avait pas d'explication. There was no explanation. Jacob n'aurait jamais accepté que son fils aille en Égypte. Jacob never accepted his son to go to Egypt. Il n'y avait aucune. Ça dit que ce n'était même pas pensable. It could not even be thought. Que Joseph ou son père ou sa mère. Or his father or his mother. Accepte qu'il est en Égypte. Ça dit qu'il n'avait pas le programme d'aller en Égypte. He did not have the program of. Dieu a suscité des ennemis. God was enemies. Qui pensait faire du mal à Joseph? They were hurting Joseph. Mais ils ne savaient pas que le Dieu de Joseph était plus sage que eux. They did not know that the God of Joseph was more wise than them.
Les ennemis de Joseph, the enemies of Joseph, ils pensaient que leur intérêt s'accomplissait. Thought their interest was accomplished. Ils éloignaient Joseph de sa prophétie. They thought they were bringing Joseph en l'éloignant de la famille, bringing him away from, en le vendant aux Ismaélites, selling him to the Israelites. Mais ils ne savaient pas que dans la sagesse de Dieu, but they did not know in the wisdom, Dieu leur avait tendu un piège. God has set them the trap. Et ils étaient tombés dans le piège de Dieu, in the trap du Dieu de Joseph. And the God of tes ennemis tombent dans le piège de ton Dieu. Je dis tes ennemis tombent dans le piège de Dieu. In the trap of your God. Ils penseront te piéger, think they are trying, mais ils ne sauront pas qu'ils ont été piégés par Dieu. Et ils ont commencé à pousser Joseph. And they started pushing Joseph. À l'éloigner. Ils pensaient éloigner Joseph de sa prophétie. They thought they were bringing Joseph away from his prophecy. Mais c'est le contraire qui se passe. It was the opposite that was le contraire de ce que tes ennemis pensent arrivera. Amen. Ils penseront t'empêcher de te marier. They will think they're stopping you. Mais ils ne sauront pas qu'ils t'amènent dans un mariage quel qu'on n'a jamais vu, ni avant, ni après. Amen. Que l'Éternel fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Ils conspireront contre toi. They will conspire against ils iront parler à tes supérieurs contre toi. Against mais à la fin de l'histoire, c'est eux qui seront renvoyés. Amen. C'est eux qui seront exposés. Que leur méchanceté retourne sur eux. Amen. Si tu dis Amen plus que ton voisin, ta prophétie c'est là. Ils étaient peu nombreux. The Bible says they were very et ils étaient errants d'une nation à une autre nation, d'un royaume à un autre royaume. To another, et j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que c'est possible? How is it possible? Israël était devenu errant. Ils n'avaient pas de demeure. Ils n'avaient pas de pays. C'était un peuple sans pays. Oh mon Dieu! Oh, my God. Mais son Dieu était avec lui. God was with him. Dans sa saison d'errance. Chaque enfant de Dieu qui marche avec Dieu connaîtra une saison d'errance. Une saison où il semble que Dieu t'a oublié. Une saison où tu as l'impression que tes prières ne sont plus exaucées. Une saison où tu as le sentiment que les problèmes ont pris le contrôle de ta vie. Une saison où tu pries, où tu pleures, où tu jeûnes, où tu gémis, où tu entends la voix de ton Dieu, mais tu n'entends rien. Il te répond par le silence. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence, mais le silence de Dieu est la deuxième forme de sa présence. Même lorsqu'il est silencieux, il est là. Amen. Dis à ton voisin, tell your neighbor, même lorsque mon Dieu est silencieux, même lorsque mon Dieu est silencieux, il est là. Il est là. La Bible dit que sur la croix, Jésus a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand Jésus a rendu l'âme, la terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré. Son père se manifeste. Amen. Il se manifestera toujours. Amen. Parfois, sometimes, nous pensons que Dieu est en retard. Is late. Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons because pas le vrai timing. Does not the right timing. Dieu te donne la promesse. God gives you the promise. Mais il ne te donne pas le timing de la promesse. Vérité. Dieu te dit qu'il va te bénir. God tells you he will bless. Mais il ne te donne pas la date. But he does not amen. Give you the date. Pour t'apprendre à dépendre à 100% de nous. Amen. Pour t'apprendre la patience dans la marche avec Dieu. Si vous n'avez jamais senti ce que j'appelle la solitude spirituelle, ça veut dire que vous ne marchez pas encore avec Dieu. Il y a un moment où Dieu te lâche expressément entre les mains de tes ennemis. Il y a un moment où Dieu te livre entre les mains de tes ennemis. Pourquoi tes ennemis deviennent l'hélicoptère qui va aller rapidement te déposer à côté de ton trône? Parce qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste.
Because it is written so. Mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Oh là 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 là. T'as pas des yeux, si tu me fais les yeux doux. Mon il n'est même pas loin. À cause du sommeil. Tu me regardes comme quelqu'un qui a bu le matango. Nous on est là, on te dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Tu me regardes comme quelqu'un qui a bu le hagba. Oh mon Dieu. Oh my God. Il y a des moments où vous sentez la douleur. There are moments you feel pain. Vous vous sentez coincé. You feel blocked. En réalité, vous n'êtes pas coincé. Dieu vous regarde. You are not blocked. God is watching. Il sait ce que vos ennemis font. Il se rassure seulement que chaque mal que l'on vous fait, that is not vous propulse en avant. Chaque mal qu'on vous fait, vous rapproche de la gloire. Chaque piège qu'on vous tend, vous rapproche. L'ennemi pense qu'il te détruit. C'est ce qui s'est passé avec Satan, n'est-ce pas? Satan a tout fait pour que Jésus soit crucifié. Quand Jésus est crucifié, c'est où les yeux de Satan s'ouvrent. Jésus dit, tout est accompli. Oh Jésus! Cette année ne finira pas. Amen. Que l'Éternel ne fait prosterner tes ennemis devant toi. Amen. Je dis cette année ne finira pas. Que le Dieu de Joseph ne manifeste sa gloire. Amen. Dis mon Père est mon Dieu. Mon Père est mon Dieu. Fais de mes ennemis mon marchepied. Fais de mes ennemis mon marchepied. Laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire. Regardez frère. Look, brethren. Voici les choses qui vont arriver. These are the things that will come. Les gens qui t'insultent. People insulting you. Les gens qui ont dit sur toi des choses. Des gens qui pensent que par leur parole, ils peuvent faire dévier ta destinée dans le sens où ils veulent. Le temps vient où tu seras plus grand que ces personnes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Vous ne suivez pas peut-être bien. Il y a des gens qui vous ont déjà donné une position. Comme les frères de Joseph avaient déjà donné une position, c'est-à-dire que Joseph devait être leur garçon de course. Joseph was supposed to be their errand. Il était bon pour ça. He was good for it. Il y a des gens pour eux. That is the people. Tu es bon à obéir à leurs ordres. Obey to their order. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils veulent pour toi. Toi, tu es bon à être leur subalterne. Et eux, ils veulent ça. C'est comme ça que ça doit être. Toi, tu ne dois jamais être comme eux. Il y a des gens qui, leur joie, c'est que tu viens toujours demander. Et qu'eux, ils te donnent toujours. Il y a des gens qui veulent avoir sur toi une main de supériorité. La domination. La supériorité. Mais laisse-moi te parler comme un prophète du Dieu Très-Haut. Amen. Ces personnes ont tort. C'est vrai. It is true. Les frères de Joseph, Joseph's brothers, étaient mariés. When married, Joseph était célibataire. Joseph was single. Ils étaient arrivés avant Joseph. They arrived before Joseph. Joseph était encore dans la prison du célibat. Still in the prison of celibacy. Ils avaient construit leur maison. They had built their houses. Joseph habitait dans la maison de son père. Was living in his father's et il voulait que toute sa vie finisse dans la maison de son père. Donc eux seulement deux frères se mariaient. Eux seulement devraient avoir des enfants. Joseph lui devait toujours être fils à papa. Sa vie ne devrait pas aussi donner. Mais un jour, but one day, la Bible dit, the Bible says, qu'après la mort de Jacob, that after Jacob's death, ses frères his brother, sont venus d'eux-mêmes se prosterner devant Joseph. Amen. La prophétie qu'ils combattaient, the prophecy they were fighting, qu'ils ont combattu pendant des années, that they fought for years, la prophétie s'est accomplie. Joseph ne s'est jamais fatigué. Joseph ne s'est jamais découragé. Ce n'était pas une bataille d'un mois. Ce n'était pas un an. Ce n'était pas 5 ans. It was not 20 ce n'était pas 10 ans. It was not 10 ce n'était pas 15 ans. It was not 15 c'était years. Des dizaines d'années. Mais Joseph est resté ferme dans sa foi. Joseph est resté loyal à son Dieu. Joseph est resté attaché à la promesse de Dieu. Amen. Tôt ou tard. Soon or tôt
prosterneront devant la prophétie. Amen. Et quand vous lisez Genèse 40, and when you read Genesis 40, la Bible dit ceci. The Bible says, quand les frères de Joseph sont venus, when Joseph's brothers, la Bible précise, the Bible precise, ils sont venus d'eux-mêmes se prosterner devant Joseph. Bow before Joseph. Et Joseph leur a dit ceci. Joseph told them, vous avez voulu me faire du mal. Wanted to hurt me. Mais Dieu, but God, que je sais, that I serve, a changé ce mal en bien. Amen. Que Dieu change le mal de tes ennemis en bien. Amen. Tu sens le mal de tes ennemis en bien. Amen. Tu sens le mal de tes ennemis en bien. Amen. Celui qui dit amen trois fois avant son voisin reçoit. Amen. Amen. Le hélium, Adam, le Ashwekam. Il ne permit point à un humain de le faire du mal. Et Joseph leur dit quelque chose. And Joseph told them something. Joseph leur dit ceci. Joseph told them, venez, come, je prendrai soin de vous, I will take care of de vos femmes of your wife et de vos enfants. And of your children. Joseph leur a acheté des terrains. Il n'a pas seulement donné des portions de terre. Just give portions Joseph leur a donné toute une ville. Joseph amen. Qu'on appelle Goshen. Ce garçon, that boy, qui n'avait même pas l'argent pour manger le premier. Pendant la saison de la famine, the season of hunger, la richesse des frères de Joseph, the wealth of Joseph, eux qui étaient riches, la famine a rongé toute leur richesse. Hunger is all their wealth. Ils sont devenus pauvres. They became poor. Et c'est la saison où ils deviennent pauvres. And it is the season where they become que Joseph devient riche. That Joseph becomes poor. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. La saison, the season où ton ennemi deviendra pauvre, where your enemy will be, c'est la même saison où tu deviendras riche. Amen. La saison où ton ennemi tombera, where your enemy will fall, à cause de sa méchanceté, c'est la même saison que Dieu te lèvera. Amen. La saison où ton ennemi sortira de son mariage, c'est la saison là qu'on va célébrer ton mariage. Amen. Quelqu'un célèbre Jésus ce matin. Célèbre le Dieu de la promesse. Amen, amen, amen. Célèbre la fidélité de notre Dieu. Joseph, Joseph est devenu si riche, became so wealthy, qu'il leur a offert that he toute une ville, a town. Oh mon Dieu. Oh my God. C'était celui qui était méprisé. The one that was despised. Celui qui était insulté. He that was insulted. Celui qui n'avait rien. He that had nothing. Qui n'avait ni famille rien. That had no other wife. C'est lui qui a sauvé leur vie. Amen. Il y a des gens qui te méprisent aujourd'hui. And people despising. Ils le savent que demain ils auront besoin de toi pour leur salut. They will need amen. You. Non, attendez, attendez, no, attendez. Calmez-vous. Down. Regardez, nous voulons, je veux que cette parole soit pratique. I want this word to be practical. Joseph mangeait chez ses frères, n'est-ce pas? Joseph was eating with ceux qui le nourrissaient. Ceux qui payaient sa pension, c'est une façon de parler. Il était dépendant d'eux, n'est-ce pas? He was dependent on them. Mais but après les saisons, la saison d'errance, the wandering season, cette saison-ci, this season, Joseph est pas seulement riche, Joseph, mais il est devenu, c'est-à-dire que sauvagement puissant. Amen. Ah, non, attendez, attendez. Wait, wait. Seigneur, aide-nous. Lord, help us. Regardez. Look. Regardez, regardez. Look. Il y a un mystère dans la Bible. There is a mystery in the Bible. La Bible dit ceci. The Bible says les frères de Joseph sont venus en Égypte pour acheter à manger, c'est ça, n'est-ce pas? So. Ils sont arrivés devant Joseph. They arrived in front of Joseph. Ils n'ont pas reconnu. They did not recognize. Pourquoi? Why? La gloire. The glory. Amen. Ça dit que that is, ils pensaient, s'ils avaient vu Joseph dans la même pauvreté, la même misère, où il avait vendu, ils reconnaîtraient Joseph. Un jour, une dame m'a rencontré. Elle m'a dit bonjour monsieur. J'ai dit bonjour madame. Elle a dit vous ressemblez à un prophète que j'ai connu. J'ai dit qu'à bon, elle dit oui seulement vous, vous avez l'embonpoint. Mais le prophète a lui était maigre comme ça, comme un squelette. Elle dit, ah bon, hein? I said, really? Elle dit, je vous dis, elle dit, il s'appelait comment? I asked, how was he elle me dit, il s'appelait Ekanen Ferdinand. He was called Ekanen Ferdinand.
Je lui ai dit que d'accord, merci. Said, all right, thanks. Et on s'est séparés. And we separated ourselves. Elle m'a pas reconnu. She did not recognize. Donc ce que la Bible dit est vrai. So what the Bible says. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu qui m'a appelé. Amen. Je mets devant toi une saison. Amen. Où tes ennemis seront en face de toi. Mais ils ne te reconnaîtront pas. Mais ils ne te reconnaîtront pas. Amen. Celui qui reçoit, Dieu multiplie par 7. Oh, je reçois. Il y a des gens qui t'ont laissé célibataires. Quand ils te verront avec l'alliance, ils te traverseront pour aller chercher le célibataire ou la célibataire. Amen. Laissé en location. There are people who left you renting. Ils viendront louer. They will come and rent. Dans un immeuble. In a building. Ils payeront. They will pay. Le loyer. The rent. Au bailleur ou à la bailleresse pendant 6 mois. For 6 months. Mais ils ne reconnaîtront pas que c'est toi. Amen. Le jour leurs yeux vont s'ouvrir. The day their eyes will be open. Ils diront merde. Ce n'est pas toi qui souffres à Tinga et Lobby là. Donc c'était toi mon bailleur. So Amgabor. C'est-à-dire ma. Exclamation en langue. Ça arrivera au nom de Jésus. Amen. Ça arrivera au nom de Jésus. Amen. Si c'est arrivé pour Joseph, ça arrivera pour toi. 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 Recevez. Notre Dieu est fidèle. Amen. Dis à ton voisin, il est fidèle. Il est fidèle. Et j'ai demandé la permission à mon épouse pour prier. And I asked my wife the permission pendant to pray. Que j'étais au salon et que je priais, while I was in the parlor and I was praying, l'Éternel est arrivé. The Lord arrived. Et il m'a parlé. And he spoke et je me suis couché par terre. And I laid on the floor. Et Dieu, dans les choses que Dieu m'a dit, and in the things God told le Seigneur m'a dit ceci. The Lord told this to me. Je suis le Dieu fidèle. I am the faithful. Amen. Je vous dis. I am telling you. Il m'a dit, souviens-toi que les choses que je t'ai promises sont arrivées. Et elles continueront à s'accomplir. Je suis le Dieu fidèle. Restez tranquille. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Amen. On peut t'insulter. Laisse-les t'insulter. Amen. Laisse-les, ils sont des ignorants. S'ils avaient vu demain, ils ne t'insulteraient pas. Amen. Et je glorifie Dieu qui a caché ton demain à tes ennemis. Amen. Demain sera beau. Demain sera glorieux. Demain sera grand. Demain sera grandiose. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois. C'est l'Éternel qui nous a bénis. Ah, c'est l'Éternel qui nous a bénis. C'est l'Éternel qui nous a bénis. Regardez, vous voyez, ici, personne n'a le pouvoir has the power de retenir to withhold l'accomplissement de ta destinée. Amen. Personne. No one. Les gens vont dire des choses sur toi. Mais demain, on dira qui avait raison. Amen. La fidélité de Dieu finira par se manifester. Amen. C'est pour ça que tu dois être fort. Tu dois être courageux. Ne te décourage pas. Ne t'arrête jamais. Amen. N'abandonne jamais. Amen. Continue à te battre. Amen. Continue à espérer. Amen. Continue à confesser qu'il est vivant. Amen. Continue à confesser qu'il viendra. Amen. Il sauvera. Amen. Il délivrera. Amen. Il guérira. Amen. Il restaurera. Amen. Il accomplira la promesse. Amen. Ne pèse
jamais courage. Amen. Ne donne jamais raison à tes ennemis. Amen. Tu as un défi. You have a challenge. Un défi à relever. A challenge to unleash. C'est de prouver à tes ennemis que ton Dieu est vivant. Amen. Le temps vient. Time is coming. Où plusieurs d'entre vous. When many amongst you. Ceux qui vous sont chiffonnés n'auront même pas l'audience pour vous voir. You not even have an audience to see you. Je ne vous le dis en vérité. I'm telling you sincerely. Regardez. Oui. C'est une prophétie que je donne. It is a prophecy I'm giving. Le temps arrive. Time is coming. Ils n'auront pas honte. They won't be ashamed. Toi si toi. Amen. Oui. Oh, je reçois. Quand Dieu est béni, il a béni. Amen. Quand ta saison arrive, elle est arrivée. Amen. La jalousie des hommes ne peut pas empêcher sa saison. Amen. Même les chancetiers ne peuvent pas empêcher ta saison. Amen. Même calomnie ne peut pas empêcher ta saison. Amen. Quand t'aimes ou qu'on ne t'aime pas, ça va arriver. Amen. Qu'on croit en toi ou qu'on ne croit pas en toi, ça va arriver. Amen.